Aujourd'hui, je vous propose une recette idéale pour les dimanches matins, les brunchs ou même les matins en semaine, les pancakes à la banane. C'est une recette sans matière grasse qui vous calera jusqu'à midi. Pour cette recette, il nous faut un œuf, une banane, 70 g de farine, ici c'est de la farine intégrale, et un demi sachet de levure. On commence par découper la banane en morceaux et en la mettre dans un mixeur. On y ajoute l'œuf entier et on mixe pendant à peu près une minute jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. On rajoute ensuite directement dans le mixeur la farine, la levure chimique, la moitié du sachet, et le sel. Mais attention, avant d'ajouter le sel, on va recouvrir la levure par la farine. Il ne faut pas que le sel soit en contact de la levure. On mixe le tout pendant à peu près 2 minutes, jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. On va faire dorer nos pancakes dans une poêle avec de l'huile de coco. L'huile de coco est solide. J'en prends à peu près la moitié d'une cuillère à café que j'étale grâce à un petit pinceau. Vous pouvez aussi utiliser du sopalin. Ensuite, je dépose 3 cuillères de pâte à pancakes dans ma poêle. Je les laisse cuire à peu près 2 à 3 minutes jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Je les retourne tant bien que mal avec une spatule. Je les déguste ensuite avec du sirop d'érable ou du miel d'acacia. Je trouve que c'est délicieux comme ça. J'adore manger ça le dimanche avec une salade de fruits et un thé. Je vous souhaite un bon appétit et à la semaine prochaine pour de nouvelles recettes. À bientôt !